Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau jeu rétro sur Game Boy Classic. Cette fois, il s'agit de Avenging Spirit, l'histoire d'un petit fantôme qui enfin, tu vois, je serai accompagné de Doggy. voilà Doggy. Voilà. Bon, j'aurais aimé inviter plusieurs personnes, mais on n'a pas pu les rejoindre, mais c'est pas grave. Donc, on joue le rôle d'un fantôme qui doit pénétrer dans le corps des gens pour les posséder de manière non sexuelle. D'accord, Ouais. pénétrer, cool. Oui. Donc, vous avez le choix, vous avez divers types. Vous pouvez prendre n'importe quel type de personne. Ça peut être un humain, par exemple, ça peut être, je sais pas, n'importe qui. On verra bien. Ouais. Alors déjà, on va prendre celui-là. Oui, on peut aussi prendre possession de n'importe quelle personne. Hein. Alors. Ouais, bien sûr. Attends, voilà, là, c'est l'espèce de tuto. C'est le travers. Voilà. Oui, on peut sauter, on peut quasiment tirer. Hein. Voilà. On peut piquer, on peut tirer un coup. Ouais. Si on traduit, non? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. There is a little time, the last. Oui, on s'en fout, allez, on passe à l'action. Voilà, stage 1. Ah oui, nous ok, bon, si vous voyez que quelque chose, enfin, si vous remarquez quelque chose, si les sons systèmes sont coupés, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pour que mon compagnon sur Skype puisse m'entendre. Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre avec le bruit. Alors, voilà. Alors, déjà, pour commencer, le jeu est assez. Est pas trop mal. Encore faut-il aimer les jeux de plateforme. Donc je rappelle, il s'agit d'un petit jeu de plateforme où on contrôle la photo qui peut pénétrer dans le corps des gens pour les posséder. Voilà. De manière non sexuelle, je rappelle. Ouais, parce que là, sinon, c'est un peu dégueulasse. Ouais. Justement, ça serait dégueulasse. Ah bah, je suis mort. Voilà, mais c'est génial. Voilà. Bah, en fait, non, vous n'êtes pas mort. Il suffit juste que le corps soit mort et que votre esprit soit vivant. Voilà. Donc, si le corps, bien évidemment, est foutu, vous pouvez toujours prendre le corps d'une autre personne. Voilà. Moi, j'ai pris cette fois-ci le même gangster qui. Enfin, le gangster qui m'a buté. Bon, en gros, c'est un jeu très. Assez intéressant, mais qui, mine de rien, est pas trop mal. Ça va. Alors, il existe la version arcade, mais je l'ai pas réussi à la trouver. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, on s'en fout un petit peu. Bon, alors, mis à part ça, comment tu trouves le jeu, cher Doggy? Bah, pour l'époque, il devait être bien. Après, je sais pas. Honnêtement, je trouve le jeu un peu trop vieillot. Bah, faut dire que oui, il est assez vieillot parce que déjà, je crois qu'il est. Calé. Ouais, il a peu calé, ouais. Et ensuite, il était édité par Jaleco, si j'ai bien noté. Jaleco? Ouais, Jaleco. Ah, Jaleco, ok. Ouais. Ok. Et ça date de quelle année? Oh, attends, si je me souviens bien, ça date au moins au moins dans les années 90 et quelques. À l'époque, la Game Boy faisait de bons jeux. Parce que le jeu, moi, honnêtement, je trouve qu'il est mauvais. Bah, il faut dire que. Enfin, ça dépend s'il l'est ou pas. Oh là, attention. Oui, on assiste au premier boss et on doit tirer sur un espèce de verre. Ok. Ouais. Le glou glou verre. Voilà. Le Tenya qui va te rentrer dans le cul. Oui, exactement. Mais honnêtement, je trouve que le jeu est un peu trop. Non. Ouais. Non, le jeu ne plaît pas. Bon. Bah, tu as le droit de pas aimer. Moi, je le trouve bien. Bon, hein, il est un petit peu dur, mais oui, c'est vrai qu'au fond, il est pas terrible. Mais bon, ça va. Il est aussi pas trop mal à jouer. Encore faut-il bien aimer les premiers jeux Game Boy. Voilà. On a fait le stage 1. Maintenant, le stage 2. Voilà. Bon, bien sûr, on a le droit de pas aimer, bien évidemment. Voilà. Allez, tiens la grognasse. Alors, bon, mis à part ça, ouais, les graphismes sont pas vraiment moches. Enfin, encore faut-il aimer la beauté du geste. Et la qualité, bien sûr. Toujours importante. Alors. Ah merde, j'essaie de sauter sur une plateforme et comme par hasard, elle a disparu. Génial. Bon, attends, on va voir si on peut pas tomber cette fois-ci.
En fait, il faut attendre que la plateforme réapparaisse. Voilà. Oh, mais putain, et voilà, j'ai encore perdu, putain. Putain de merde, merdoni, arrête de gueuler. Eh mec, qu'est-ce que tu veux? Et par moi, ce jeu, il est un petit peu difficile parce que les sauts sont mais quasiment, mais sont pas terribles. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas Non, mais grave. ouais. Ouais. Oh, et voilà, et encore ce putain de saut. Voilà. Voilà. La réponse de Dougie à ce jeu. Et j'ai encore perdu. Bon, attends, je vais changer de corps parce que le gangster, lui, il m'énerve. Attends. Oh merde. Bah moi aussi je vais changer de corps, je vais aller voir Batman. Voilà. Et j'ai perdu. Bah ouais, voilà. Oui, parce que j'ai une chose que j'avais oublié de dire, parce que votre corps peut être, votre substance de corps peut être illimitée, hein. D'accord. Parce que si on tarde trop, le fantôme, il meurt pour de bon. Voilà. Bon, on va essayer de voir si on peut pas faire n'importe quoi. Eh, ce jeu, apparemment, il est pas facile. Enfin, il a beau être bien, mais bon, je trouve pas facile. Je sais pas pourquoi. Voilà. Bon, si tu continues, je vais demander Gégé Aline de venir t'aider. GG Aline, non merci. Non, c'est pas. Encore faut-il aimer GG Aline. Et c'est qui vous faites déjà GG Aline? C'est un punk qui chiait sur scène devant son public et jetait ses excréments dans la foule. Ah, dégueulasse. D'accord. Mais merci GG Aline. On peut voir que les punks sont des thugs. Eh, d'ailleurs, c'est son public. En fait, c'était pas des scatophiles à la base. Il venait pour la musique, mais en fait, c'était une marque de respect. Oui. Lui, c'était une marque de respect de jeter. Il y en a, ils font des doigts d'honneur. Ouais. Lui, jetait des excréments, ses excréments sur la foule. Bah d'accord. Dans le public. Il y a même des gens qui ont gardé sa merde Ouais. dans des sacs plastiques et Ah. les ont revendus à prix d'or aux enchères une fois qu'il est mort. Bah d'accord. C'est pas des conneries, hein. Non mais je te crois, je te crois. En plus, c'est con parce qu'il avait. Il avait un sacré. Il a fait plein de conneries sur scène, le mec. Bah c'est sûr que quand on fait les conneries sur scène et quand on fait le thug. Déjà, il venait bourré et drogué, alors, tu vois. Il savait même pas qu'est-ce qu'il foutait sur scène. Il croyait même qu'il était aux toilettes sur scène. C'est pour ça qu'il faisait caca sur scène et jetait ses excréments. Bon, bah ok, si vous voulez faire comme GG Aline, soyez scatophile. Voilà. Non, mais j'écoute sa musique, hein. Ouais, Je mais me je suis te. renseigné sur le personnage, c'est tout, Non, mais hein. je te C'est crois, c'est bien. n'importe quoi. Ouais, oui, Docteur Guillaume aime bien le punk hardcore. Voilà. Et puis un peu le death metal. Enfin, le death metal, lui, Ouais. non, mais j'aime bien le metal, quoi. Voilà. Bon, bien sûr. Bon, je mettrai aussi le lien de sa chaîne en bas de la description. Si toutefois certains d'entre vous aimeraient Ouais, mais s'abonner. j'ai arrêté ma chaîne, tout en privé dessus, il n'y a plus rien d'intéressant. Ah. Non, mais J'ai tu. arrêté carrément, ouais, non. Voilà. Bon, là, j'ai pris le possession le corps d'un robot. Voilà. Ça va changer du gangster. Voilà. Attends, je. Bon, faut pas faire n'importe quoi avec les rayons. Voilà, merci. Voilà. Je suis un robot. Je viens en paix. Je suis ta mère, je viens en paix. PET. Ok. Nanani. Ouais, il est bien ce robot, hein. Bon, par contre, il est un petit peu lent comme un cul. Ah, une clé. Oui, il y a aussi pas mal d'items que vous devez ramasser. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, la route du trou de balle, une route Oui, voilà, c'est impossible. ça. Ah merde! Ah putain! Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai un peu de sauté, il y a quelqu'un qui m'a heurté. Mais en fait, t'as pété trop fort, trop haut, donc t'as décollé du siège. Je sais pas, peut-être. Alors. Oh! Putain! Oh putain de con de toi! Oh. Attends, où est-ce que je suis? Parce que moi j'ai pas trop envie de. Voilà, bon, c'est bon. C'est parfait. Oula, oulala. Où est-ce que j'ai atterri là? Oulala, qu'est-ce que j'ai atterri? M'ennuie, Donc, voilà.
Voilà, ok, d'accord. Je viens d'atterrir sur. Là, j'ai rencontré le deuxième boss et je crève comme une merde. Voilà. Voilà. Bon, allez, on va essayer une dernière fois. Si tu ne vois pas d'inconvénient, cher Ouais, je vois Guigui. pas d'inconvénient. Ah, super, bah, Va je faire recommence tout au début, mais défoncer, c'est tu vas te génial. faire défoncer, tu vas te... Ouais. Encore fatigue. J'aime bien ce robot parce que déjà, quand il saute, on a l'impression qu'il est en apesanteur. J'avoue. Poum! Ouais! Ouais! Super robot! Ah merde. Bon, c'est pas grave. T'es sûr que c'est pas Goldo Chirac? Ah non. Ah oui, tiens, Gold de Chirac, je me souviens de ça. C'était un sketch de Scal de Carte Zéro, si je me souviens bien. Ouais, je sais plus c'est qui, mais Goldo Chirac. Voilà. Le mec qui a pas de... qui franchement... Non mais Goldo Chirac. Voilà. En fait, il faut juste. N'importe quoi. Ah, c'était pas mal les sketchs de Carte Zéro. J'en garde un bon souvenir. Dommage que. Qui travaille plus à Canal Plus et c'est dommage qu'il ne fasse plus de sketch. J'aurais bien aimé moi. Ouais. Attends parce que là il y a. Ah bah voilà super. Oui alors il y a les items. Hormis les items que vous devez ramasser, il y a une espèce de truc là qui vous permet de régénérer de la vie. Et oui, non, ce n'est pas une baguette magique. Oui, une baguette magique, c'est bien un item pour se soigner. Ouais. Alors attends. Oui, t'es gentil, tu me gonfles pas. Je parle pas de toi, Guillaume, c'est. Non, j'ai bien compris. Ouais. Non, mais parce qu'il y a un mec qui me prenait la tête. Attends, je vais voir si je peux. Non, c'est bon. Non, en fait, j'ai conservé la clé. C'est bon, y a rien. Attends, parce que là, je tire en l'air parce qu'il y en a un qui m'a quasiment. Mais. Oula! Oula, j'ai pas compris! J'ai pas compris! D'accord, il y a une plateforme qui est apparue juste devant moi. Vas-y, Tada! putain! Non, pas encore. Oui, n'oublie pas que je suis un fantôme et que je peux prendre possession du corps des gens. Non, je suis pas encore mort. Par contre, je risque fort. Alors, je sais pas qu'est-ce que j'ai pris comme possession. Un Un espèce de ma magicien. voilà, un magicien, voilà. Un petit peu kawaii, je dirais. Et putain de bordel de cul. Un bordel du chien. Voilà. Bon, voilà, on s'approche déjà du boss. Bon, je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Là. Allez. Vous ne C'est bon, arrête Gandalf. passerez pas! Attends, voilà. Bon, on va essayer de faire vite. Bon, ça va. Le boss est pas trop dur. Par contre, le truc d'au-dessus, il m'énerve. Il a envie de me faire littéralement aplatir la gueule. Oh putain de. C'est Oh. exactement ce que j'ai envie de faire à certaines personnes, Voilà. notamment le pape, non je Ouais. déconne pas le pape, Non, mais le peuple, il a déjà trop de problèmes. notamment par exemple le certains ministres comme Ouais. Édouard Philippe, Ouais. Emmanuel Grocon, Voilà, justement, je m'apprêtais à le mentionner. Bon, attends. c'est le genre de machine Ah, qu'il putain. faudrait inventer. Ouais, t'es mort. Bah oui, je suis mort. Bon, c'est pas grave. Je propose qu'on s'arrête là. De toute façon, ce n'attendait rien de ce jeu. Et puis, de toute façon. De toute façon, je suis un rageux, je rage quitte. Allez, à Voilà, plus! exactement. Bon, ça c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on aurait fait ce qu'on pouvait. Voilà, donc c'était donc Avenging Spirit sur Nintendo Game Boy Classic. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, et ainsi que le partage, bien sûr. Et d'ici là, salut! 1, 2, 4!